السلام عليكم مازال فلوني مازيان مرحبا يسون عند مثلام تذويل تايني نسمى ياس ذاشو اي السيرك اكيا نبغى نخدم ان بتي ريزومي ا شاك فوا دو سيرك سيرك بوليتيك الجيريان اون جينيرال مي دي فوا يا دي كيسيون انترناسيونال كي ريليف اوسي دو سيرك Du coup, مرحبا بكم. J'espère que je me ferai pas beaucoup d'ennemis en faisant cette émission. Je sais que moi personnellement, même si je peux être dur, etc., mais ça relève du débat politique. Mon intention n'est pas de toucher la dignité des gens ou la vie personnelle des gens, mais on a quand même le droit de dire que c'est un cirque politique quand c'est un cirque politique. Je vais essayer de vous faire des résumés à chaque fois, Voilà. Pour commencer l'émission, donc, le premier invité de la scène politique algérienne, la scène politique algérienne, nous avons Madame Louise Ahnoun. Madame Louise Ahnoun, je pense qu'un peu comme dans la photo, elle est comme ça, elle bouge beaucoup. Je pense qu'à elle seule, elle occupe toute la scène politique algérienne. Et Dieu seul sait que c'est du pipeau. Dieu seul sait ce que je pense. Et encore une fois, je ne vise pas la personne, je ne suis pas pour insulter. Hein. Je parle du point de vue politique, du débat politique. C'est du vide sur du vide. Et on dit même qu'elle a rejoint les clans du régime, etc., pour des intérêts personnels ou des intérêts de clan. Et aussi, on voit qu'elle fait des déclarations, elle s'en prend à un tel, comme si en Algérie, il y avait de la politique. En réalité, tout ça, c'est du guérégouze, puisque ça n'a aucun impact sur la situation. Est-ce que ça a amélioré la situation des Algériens? Qu'est-ce que Mme Louise Ahnoun a apporté? Absolument rien du tout. Au contraire, les gens, ils la citent comme exemple bizarroïde de la scène politique, puisque c'est soi-disant le parti des travailleurs d'extrême gauche et tout, mais c'est des gens, et c'est quelqu'un qui défend les multinationales, qui veut faire le gaz de schiste. C'est quelqu'un qui se présente comme étant, elle défend les pauvres, etc. Vous savez, l'extrême gauche, elle défend les pauvres, les travailleurs. Eh ben, cette dame, elle défend tous les oligarques, même si elle fait des fois du cinéma, mais elle défend cette oligarchie qui tient le régime, elle les défend en insultant les chômeurs, en insultant le peuple, etc., s'ils revendiquent un changement, si les gens disent qu'on en a marre de ces voleurs qui ont ruiné le pays, elle les insulte, elle les accuse de tout, elle dit que c'est des traîtres, etc. Du coup, voilà un bon exemple du cirque politique algérien. Et Dieu seul sait que les médias lui consacrent des trucs quand elle fait des sorties. C'est comme si c'était, il s'est passé quelque chose sur la scène politique. En réalité, il ne se passe absolument rien du tout. C'est du vent, tout simplement. Voilà, ça c'était notre premier invité de cette émission. Je passe à mon second invité. Le second invité, c'est quelqu'un de très gentil. Mais franchement, pour moi, à mon avis, c'est le cirque politique algérien, là aussi, malheureusement. Même si je n'ai pas envie ni d'être méchant avec la personne et tout, qui est très sympathique, on le voit, il est très sympa. Les selfies sur Facebook sont jolies, intéressants. Il va à la rencontre... à la rencontre du petit peuple, etc. Ça, c'est génial. Moi, je l'envie. J'aurais voulu pouvoir avoir les moyens et avoir le temps de faire comme il fait. Partout, et c'est très bien. Par contre, du point de vue politique, du point de vue changement politique, qu'est-ce que M. Nekaz a apporté? Absolument rien du tout. Je ne pense pas que sa démarche consiste à changer les choses. Je ne pense pas. Je ne comprends pas d'ailleurs sa démarche. Encore moins... En fait, c'est une démarche quand même du point de vue politique qui est très superficielle. Et encore, moi je dis pas qu'il n'a pas le droit de faire la politique et tout. Même tous les gens que je vais citer dans ces quelques vidéos, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est juste que moi je donne mon avis et dites-moi que j'ai tort avec des arguments, je veux bien. Et dans le cas Nekaz, je suis désolé, qu'est-ce que va changer Nekaz? Le mandat de l'Hukm a
il passe son temps à faire des déclarations où il défend Mandomt al-Hukm, il la défend en tant que telle. Il dit juste qu'on ne donne pas cette place pour les jeunes, il faut laisser les jeunes, etc. Il y a un discours qui relève plus du populisme, bien sûr que ça ne changera rien du tout. Il suffit pas de ronfler pour changer les choses. Il faut une démarche très sérieuse. Quand on l'entend comme il vient de le faire, et on voit bien l'intention, c'était de buzzer. En déclarant qu'il propose l'amnistie générale à tous ceux qui ont volé, ceux qui ont dilapidé les biens publics, etc. Jamais tu l'entendras quelque part dans le monde, je pense, ce genre de choses. Une amnistie, elle se fait, mais elle se fait sur la Mshihaka, ce n'est pas juste une promesse gratuite. C'est comme si on disait aux gens, volez, de toute façon, il y aura une amnistie. Ça n'a aucun sens. On fait une amnistie quand on a jugé, on sait exactement qui a fait quoi, etc. C'est comme ça qu'on fait des amnisties. C'est le béaba de sciences politiques que M. Nekas a fait à la Sorbonne, normalement. Et il me corrigera si je me trompe. Peut-être que je me corrige. Il se défend bien, de toute façon, dans les face-à-face. Voilà. Donc, M. Nekas, pour moi, je suis désolé encore. Et bon courage. Moi, je lui dis bon courage dans ce qu'il fait. Mais je me permets de dire que moi, j'y crois pas parce que, du point de vue politique, ce n'est pas en défendant. En même temps, on défend le régime en place, en même temps, on fait du populisme auprès de la population qui est dans la détresse, la population. Du coup, elle est sensible au populisme, bien sûr. Moi, mon regard critique me permet pas, Yannick, de dire que ça, c'est bien et puis c'est tout. Et encore une fois, je sais que je ne me ferai pas des amis. Et il y a beaucoup de gens qui sont sincères et qui sont. Ils aiment beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Rachid Nekas. Donc, ils vont m'en vouloir d'avoir dit tout cela. Je sais ce que ça fait de déclarer ce genre de choses. C'est ce que je pense. C'est mon commentaire. Vous pouvez faire votre commentaire, vous aussi. Mais pour moi, ça, c'est du cirque. Un bon exemple du cirque politique algérien. Voilà. Je passe à mon troisième sujet et dernier sujet pour cette émission, pour faire court, mais on reviendra une autre fois pour d'autres émissions. Je passe donc à mon troisième sujet, qui est le sujet de l'Égypte, de ce qui se passe en Égypte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le carnaval politique, il est international parfois. C'est terrible de le constater. Ce qui se passe en Égypte, c'est quand même, d'abord, c'est très grave en fait, parce qu'il y a exécution, il y a mort, il y a des milliers de morts depuis le coup d'État. Comment les gens, ils peuvent laisser faire ce genre de choses? Comment les puissances qui font des leçons à tort et à travers sur le respect des droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, de la vie de la personne et tout, ils permettent ce genre de choses. Et c'est une chose qui relève éminemment du politique. On n'a pas condamné des gens parce qu'ils ont tué, etc. On a condamné des gens pour raisons politiques. Et comment on peut laisser faire ça? Comment? Et c'est là le cirque politique, c'est incroyable. Comment yani, les élites, on les voit qui occupent les médias, c'est eux qui détiennent les médias, et ces élites-là font tout un cirque quand il s'agit des fois d'atteinte aux droits de l'homme, un peu une fille quelque part en Liban, en Afghanistan et tout. Ça donne des prix internationaux auxquels tout le monde assiste, etc. Parce qu'une fille. Ce que moi, bien sûr que je dénonce ce genre de choses. C'est des cas qu'il faut dénoncer. Mais comment on peut faire l'autruche quand il se passe ce qui est en train de se passer en Égypte? C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. C'est l'un des plus grands cirques politiques dans le monde. Incroyable. Et voilà, je voulais le dénoncer et dire ma solidarité avec les Égyptiens qui restent pacifistes alors que tout cela vise à les pousser vers la violence. Il crée les conditions du terrorisme pour que, d'ailleurs, il les accuse déjà de terrorisme, etc. Mais la population et tout, celle qui résiste au coup d'État, ils ne virent pas vers le terrorisme. Mais du coup, on les pousse encore plus avec des condamnations à mort, des exécutions. Ils viennent d'exécuter des gens qui étaient en prison au moment des faits. On leur a reproché des faits alors qu'ils n'y étaient pas. Ils étaient même en prison, c'est-à-dire on est dans le truc horrible qui aura atteint son maximum. Voilà, c'était juste, je finis le cirque politique.
C'est la première. J'essaierai de revenir pour faire une deuxième. C'est quelques vidéos juste pour parler de ce cirque. Encore une fois, je vous dis, on finira avec les vidéos du cirque, des extraits du cirque, quand il n'y aura plus de cirque. Il fait que Flana cirque. Et on arrêtera les émissions à propos du cirque. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère m'attendre à l'écoute. On se retrouve dans la prochaine émission, Inch'Allah.